Tous et à tous, ici DOS27 et aujourd'hui nous retrouvons sur Minecraft. Je vais faire une petite vidéo sur la tire rouge. Aujourd'hui je vous présente un nouveau canon, un canon qui est pas très différent d'un de mes canons préférés. C'est le canon Shotgun que vous connaissez très bien parce que c'est sans doute mon canon préféré parce qu'il est ultra rapide à faire. Il fait pas laguer le PC, puis il est destructeur à 100% avec une bonne portée et tout. C'est vraiment le canon parfait à mes yeux. Mais bon, j'ai décidé de créer un canon, disons, semblable au canon shotgun, mais qui va faire une job assez spéciale. Donc on va se rendre dans le tunnel juste en face de l'autre côté. Et on va aller voir le petit canon que j'ai fait. J'ai encore mes items pour le construire dans mon inventaire. Ça fait pas chill. Donc, ouais, chauve-souris, va chier. Ok, allez, on monte. Donc voici le canon. Je ferai pas de démonstration tout de suite, simplement parce qu'il est pas chargé. Mais je pourrais faire une ellipse puis charger. Mais en premier, j'aimerais ça vous montrer comment le construire. Parce que je peux rien construire alentour pour vous montrer avant. Ce canon est trop destructeur. Donc je vais vous montrer comment le construire. Premièrement, fait qu'on va se prendre. Prenez-vous des blocs comme ça vous chante. Moi je m'en fous un peu. Je vais juste prendre ça pour éclairer un peu. Ouais, c'est bon ça. Je pourrais bien faire ça. Ok, donc ensuite, prenez bien sûr de la redstone. Un truc du genre. Ça. Et ça. Puis un seau d'eau. Regardez ce que j'ai dans mon inventaire. Ça, c'est ça que vous avez besoin. Et c'est tout. Rien de plus. Donc vous faites premièrement un truc qui doit avoir 9. 9 à l'intérieur. Comme ça. Merde. Voilà, donc vous avez 9 à l'intérieur. Vous mettez un seau d'eau au centre. Tranquille. Donc ce canon-là, je l'ai imaginé moi aussi, moi-même. Ouais. Je l'ai imaginé par moi-même au complet. Donc c'était pas très compliqué. J'ai juste pris le modèle shotgun, puis j'ai apporté des modifs dans ma tête. Ok, ensuite, je vais y aller où vous voulez, hein. Fait que ça peut pointer par là. Ça peut pointer où vous voulez. Fait que ça peut pointer par là. Mais ce qui est vraiment important de l'endroit où ça va pointer, c'est ici. C'est obligé de pointer sur les côtés. Sauf pour lui du centre, il faut le mettre par ici. Pour pas détruire votre propre canon, ça serait un petit peu bad. Fait que ça, fait que moi, j'aime bien mettre ça, ouais, comme ça. Puis pointer par en avant, comme ça. Fait que ça. La portée va plus par en avant. Ensuite, vous mettez un bloc au centre. Pouf. Vous mettez rien. Ouais, vous mettez rien. En fait, vous n'avez pas besoin de mettre un bloc au centre. C'est inutile ce que j'ai dit. Fait qu'on va vraiment rien mettre. Pour ça. Vous mettez un petit truc dans sa bouche. Là, comme ça. Et voilà. Le canon est terminé. Puisque tout simplement, vous allez actionner ça. Puis après ça, ben, vous faites ça, puis ça ne dérange pas, hein, parce que les TNT sont déjà actionnés. C'est sûr, c'est pas très chic, si je pourrais dire, mais au pire, si vous voulez que ça soit plus chic, vous pouvez mettre ça ici. Comme ça, là. Fait que, ça. Après ça, vous faites un petit escalier. Tranquille. Un petit escalier, c'est pas très beau, ça, comme escalier. J'apprécie. Je n'apprécie pas mes marches en bloc. Ça fait débutant en tabarnak, fait qu'on va aller chercher des marches bien normales. Alors ça. Non. Voilà. Ok, fait que là, bon, c'est ça le canon en fait. Fait que vous actionnez ici. Puis après ça. C'est juste que je trouve ça pas très efficace, donc je recommande vraiment de le mettre là, même si ça fait peut-être pas votre bonheur. Tac, 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 tac. Puis voilà. Donc on va le détruire, parce que sinon il va bloquer mes TNT. Donc bon. Donc je fais une ellipse, je vais remplir le canon et je vais détruire celui-ci en ramassant tous mes blocs. Ok, donc une fois le canon chargé, donc vous mettez autant de TNT que vous voulez dans les distributeurs. Vous allez charger ici. Et pour ceux qui se demandent, pourquoi t'as fait
Un tunnel! Ben, c'est parce que, tu sais, vraiment, je veux pas tout péter, ma map. Puis regardez, je viens de découvrir de quoi. Ça, si je fais ça de même, là, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que ça va m'empêcher de mettre un putain de bloc là où il y a de l'eau. Parce que ça va m'empêcher, ça va peut-être m'aider à ne pas mettre de bloc là où il y a de l'eau. Puis ça fait un petit effet stylish. Fait qu'on va y aller avec le tir fracticide. Oh merde, mauvaise angle. Bon, pas grave. Allez, on se le refait. J'ai pas pris un bon angle. Mais vraiment pas, même. Donc, allez, comme ça. Donc, aller sur le côté, ça peut être mieux. Magnifique. J'adore ça. J'adore ce canon. Oh, wow. Il tire, par contre, je vous dis, il tire complètement random. C'est vraiment pas aussi qu'il va tirer. Donc. Gare à vous. On refait un autre petit tir. Ça va être bien si je mets pas de TNT. Je vais qu'enlever ça. Parce qu'en fait, ça change totalement rien. Je sais même pas si ça me nuit. Donc, on y va. Comme ça. Faut comprendre maintenant pourquoi il y a un tunnel ici. C'est pour pas me péter la gueule. Et puis je viens d'avoir une idée. Et si je. Si je prenais ça. Et puis que je le mettais. Moi. Parce que ça fait chier. On va se dire. Ça fait chier. Donc si je prends ça. Je vais l'envers comme ça. Et puis que je... Admettons... C'est quand même le temps de repenser à mes trucs. Je prends mon temps, je fais mes petits trucs. Donc ça attire peut-être un tir, mais ça pourrait être plus efficace niveau spammage de boutons. Je vais pouvoir cliquer ouvrir vite. Ah non, je vais me mettre face. Putain de con! Ah, attends, on recommence. On s'en met de face. Bon, allez. Clique. Tic-t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 ic. Et là! Wouh! Oh shit! Ok. Ça passait proche, ça. Ok. Ok, donc voilà, c'était le canon que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, un petit canon tranquille, pas trop compliqué à faire. Que c'est ça, j'ai développé dans ma pensée tranquille, tranquillement. Fait que voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez un j'aime. C'était Doors 27 sur Minecraft. Voilà. Merci et bonne journée.